Okay, just one second. I just need to change it to French. Okay, we're good to go, Cynthia. Okay, thank you. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire. Moi, je suis Cynthia Lisée, bibliothécaire en soutien à la recherche à l'Université du Québec à Montréal et je vais être la modératrice du webinaire d'aujourd'hui. Alors, au nom du Conseil des bibliothèques universitaires de l'Atlantique et de son comité d'intendance de la préservation numérique et de leurs partenaires, ESNET et l'Alliance de recherche numérique du Canada, je vous souhaite la bienvenue à la série de webinaires sur la gestion des données de recherche qui prend fin avec cette présentation là, sur l'infrastructure de recherche numérique offerte par ESNET. La francisation de l'événement est rendue possible grâce à la collaboration des membres du groupe de travail sur la gestion des données de recherche du Bureau de la coopération interuniversitaire qui est basé au Québec et dont je fais partie. Avant de vous présenter notre conférencière, j'ai quelques informations à partager avec vous. Je vais tout d'abord mettre dans le chat le nom des organisateurs que je souhaite remercier. Alors, un grand merci à Margaret Vell, à Cynthia Holt, Erin McPherson, Louis Gillis, Alison Farrell, Lydia Vermeiden, Jennifer Abel, Jonathan Doré et Victoria Volkanova. J'espère que j'ai bien prononcé les noms de tous. J'aimerais maintenant faire une marque de reconnaissance envers les Premières Nations au nom du Conseil des bibliothèques de l'Atlantique, qui représente donc des bibliothèques de la région qui sont toutes situées sur les territoires traditionnels non cédés des Premières Nations. À Terre-Neuve, et au Labrador, des bibliothèques se trouvent sur les terres des Inuits du Nunatsiavut et du Nunatukavut, des Inuits de Nitassinan, des Béotuk et des Mi'kmaq. À l'île du Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse, on retrouve des amis et des collègues situés sur le territoire des Mi'kmaq. Au Nouveau-Brunswick, les bibliothèques se trouvent sur le territoire des peuples Wolastoqiyik, Mi'kmaq et Passamaquoddy. Les membres du Conseil des bibliothèques de l'Université de l'Atlantique souhaitent exprimer donc leur plus sincère gratitude aux Premières Nations qui partagent leurs terres ancestrales avec nous tous. Je vous rappelle que cette séance est enregistrée. Elle va être disponible par la suite sur le site web du Conseil des bibliothèques. Vous avez remarqué à votre arrivée que l'audio des participants est coupé. Vous pouvez également fermer votre vidéo là, pour ménager la bande passante. On vous demande de rester muet si vous ne prenez pas la parole. Si vous avez des problèmes techniques, vous les signalez dans la boîte de clavardage pendant la présentation principale. Vous pourrez même y mettre vos questions au fur et à mesure, mais c'est à la fin qu'on va répondre aux questions. Vous pourriez alors même ouvrir le micro si vous voulez la formuler à voix haute. On vous demande évidemment de demeurer aimable, courtois et respectueux de notre conférencière et des participants. Je suis vraiment très contente de vous présenter Michel Fache, qui va donc vous entretenir sur l'infrastructure de recherche numérique offerte par ESNET, particulièrement pour soutenir la gestion des données de recherche. Michel Fache est directrice développement des activités chez ESNET, où elle est responsable du marketing et du rayonnement. Michel travaille dans le marketing depuis près de 30 ans dans les secteurs publics et privés, ainsi que dans diverses industries. Elle a travaillé notamment pour les affaires publiques au ministère de la Défense nationale à Ottawa. Elle a commercialisé les frites pour McCain Foods Canada, le sable, le gravier pour Shaw Group Limited en Nouvelle-Écosse, des dispositifs médicaux pour Uplift Technologies, excusez-moi. Elle a également assuré des services de consultation privée à des organisations allant d'entreprises en démarrage à d'importantes multinationales. Donc, on a une conférencière d'une très grande, riche expérience. Michel, la parole est à toi. Merci beaucoup, Cynthia. Il me fait le plaisir de parler avec vous aujourd'hui. Et aussi avec moi, c'est Lydia Vermeiden. Lydia est notre consultante en recherche pour les domaines sciences humaines et sociales.
Elle est aussi présidente de l'équipe nationale pour la Fédération Calcul Canada, de l'équipe de sciences humaines et sociales. Donc, Lydia a vraiment une perspective nationale aussi qu'une une perspective régionale. Nous avons quelques buts avec cette présentation aujourd'hui. Premièrement, nous voulons vous informer de ACENET et Calcul Canada, ainsi que les outils de recherche numérique. Comment est-ce que nous pouvons faire pour vous aider pendant votre voyage avec ces outils? Puis, quel est le rapport entre ACENET et la gestion des données de recherche? Finalement, nous discutons quelles sont les prochaines étapes. Nous parlons des outils de recherche numérique avancés. Et ici, sur le diapositive, ce sont les termes auxquels on pense. Il y a beaucoup de jargon. Mais à la fin, vous pouvez réaliser des choses qui ne peuvent pas être effectuées sur les ordinateurs traditionnels ou faire les choses plus efficacement et en largement moins de temps. Donc, on peut faire des analyses avec des bases de données volumineuses comme les teraoctets, si on a besoin de stockage élevé. Si on veut un hébergement permanent, les portails de web et les applications infonumériques. Vous pouvez collecter et ou conserver vos données et collaborer avec des partenaires dans un environnement sûr, fiable et sécurisé qui conserve vos données au Canada. Les données sont protégées et ne sont accessibles qu'aux personnes auxquelles vous y donnez accès. Quelques données doivent répondre aux besoins spécifiques en ce qui concerne la sécurité, lesquelles varient en fonction de la sensibilité des données. L'espace permet d'accéder à des outils d'analyse spécifiques et à la puissance dont on a besoin pendant la phase active du projet. C'est important aussi à se souvenir que ces mots ne s'appliquent pas seulement à un domaine de recherche, mais aux nombreux domaines de recherche. On parle par exemple dans le domaine des sciences physiques et appliquées. Ces projets souvent comptent sur calcul haute performance et traitement parallèle, où on peut créer des modèles mathématiques très complexes pour explorer les relations entre les variables et prédire les résultats. On peut aussi fractionner de gros problèmes en beaucoup de petits problèmes qui peuvent être résolus en même temps. Par contre, avec les projets de sciences humaines et sociales, souvent, il y a des bases de données très grandes. Quelquefois, on crée les communautés pour partager des données et avoir des discussions plutôt que de développer les modèles mathématiques. Beaucoup de projets menés dans le domaine des sciences humaines et sociales utilisent l'environnement infonumérique du Calcul Canada. Parmi les avantages de notre infonuagique, c'est qu'il est gratuit, toujours important. D'égale importance, il y a beaucoup d'aide disponible. Les données restent au Canada dans un environnement sûr, fiable et sécurisé, et les données sont confidentielles. Les bonnes pratiques en matière de gestion des données de recherche doivent être prises en compte lorsque vous utilisez la puissance du calcul de haute performance, si on essaie d'être efficace avec le projet et les données, si vous veillez à fournir aux collaboratrices et aux collaborateurs un accès sûr et efficace.
si on essaie d'assurer la sécurité de vos données. Et quand on a besoin de beaucoup d'espace pour stocker vos données. Donc, pour tout ça, les bonnes pratiques en matière de gestion des données sont très importantes. Et maintenant, on tourne à ACENET et Calcul Canada. ACENET et ses partenaires fournissent l'accès à l'infrastructure de recherche numérique, des conseils et une aide pour son utilisation, ainsi qu'une formation. Nous avons été créés en 2003 par une poignée de chercheurs qui ne voulaient plus gérer de serveurs. Ils ont alors mis leurs ressources en commun. Et maintenant, ACENET comprise presque tous les établissements d'enseignement supérieur du Canada Atlantique. Nous servons à peu près 350 professeurs et leur équipe de recherche, plus de 1100 utilisatrices et utilisateurs au total, ainsi que quelques clients commerciaux. Nous sommes financés par le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux, et nos services sont gratuits pour les chercheuses et les chercheurs et leur équipe académique. Nous sommes, ACENET et les autres régions sont des partenaires régionaux de Calcul Canada. Et Calcul Canada est responsable pour l'infrastructure de recherche numérique au niveau national. Et vraiment, le rôle de Calcul Canada est de mieux allouer les rares fonds disponibles, de fournir aux chercheuses et chercheurs un accès transparent et équitable dans tout le pays, et aussi de permettre à la communauté de calcul informatique de pointe d'avoir une voix unique et forte sur la scène nationale. Mais aussi, je parle juste un peu, il y a des changements qui commencent. À partir d'avril 2022, le Calcul Canada n'existerait plus. En place, il y aura l'Alliance de recherche numérique du Canada. L'Alliance était établie il y a 3 années, je pense, maintenant, mais jusqu'à 2 mois passés, le nom c'est un nom terrible, mais l'acronyme c'était NORN, Nouvelle Organisation d'Infrastructure de Recherche Numérique. C'était un peu mêlant et je suis désolée pour ça, mais à partir d'avril 2022, les finances pour toutes les régions et pour tous les sources fédérales va venir de l'industrie, sciences et développement économique. Jusqu'à maintenant, c'était toujours la Fondation canadienne pour l'innovation. Donc, ça, c'est la raison pour la nouvelle organisation, une des raisons pour la nouvelle organisation de l'Alliance. Mais aussi, l'Alliance va prendre la responsabilité, pas juste pour les outils de recherche numérique, mais aussi pour la gestion des données de recherche. Qui jusqu'à maintenant était avec le réseau de portage, par exemple, et toutes les personnes là qui sont maintenant une partie de l'Alliance. Et aussi, elle va prendre la responsabilité pour les logiciels de recherche qui, à ce moment, restent avec l'organisation Canary. Donc, il y a beaucoup de changements qui viennent. Donc, comme j'ai dit il y a quelques minutes,
nous fournissons l'accès à l'infrastructure partagée au Canada. Il y a 5 systèmes nationaux qui ont la grande puissance, beaucoup de puissance, beaucoup de stockage, beaucoup de processeurs virtuels. Aussi, il y a une vaste gamme de logiciels, un système de sauvegarde des données stables et sécurisées. Et aussi, nous avons une licence à une plateforme qui s'appelle Globus. Globus, c'est une façon de transférer les grands volumes des données, comme les teraoctets. C'est vraiment bon pour maximiser l'utilisation de la bande passante. Il permet la récupération automatique en cas de défaillance. C'est très facile à utiliser. Et en anglais, c'est un système qu'on appelle Fire and Forget. Je ne sais pas en français comment traduire ça. Mais ça, c'est aussi un autre aspect de l'infrastructure avec nous. Nous fournissons beaucoup d'expertise et conseils en utilisant les systèmes, l'infrastructure. À AceNet, nous avons 20 personnes, dont 17 sont des techniciens. Nous sommes basés dans tout le Canada Atlantique. La plupart de nos personnes, nos personnes sont des diplômes supérieurs. Ils ont d'expérience en matière de recherche ainsi que leur expertise technique. Donc, ils sont vraiment capables de combler le fossé entre la recherche et la technologie. Aussi, nous avons quelques spécialistes comme les applications infonuagiques, la gestion des données, comme Lydia, les sciences humaines et sociales, l'apprentissage automatique, la visualisation de données et la cybersécurité. Aussi que nous avons accès aux experts partout au Canada. Il y en a peut-être 120 personnes comme les techniciens ici, l'Atlantique. Donc, il y a beaucoup d'expertise qu'on peut utiliser. Vraiment, il n'y a aucune autre organisation comme nous au Canada. Aussi, le renforcement des compétences, nous offrons beaucoup de formations. Nous avons un calendrier des ateliers sur notre site web. Il y a un catalogue des ateliers disponibles. Les compétences sont nécessaires pour l'avenir. C'est pour les personnes qui suivent cette formation, c'est vraiment important pour les carrières en recherche, mais aussi ils sont importants pour une carrière à l'industrie. Il y a vraiment une pénurie de ces compétences à l'industrie. Donc, nous avons beaucoup d'options pour ça et beaucoup de ressources. Comme j'ai dit il y a quelques minutes, les experts de gestion de données, donc le réseau du portage et ces personnes qui y travaillent sont maintenant une partie de l'Alliance de recherche numérique du Canada. Les régions et l'Alliance faisons le futur voyage ensemble et les liens entre les outils calculs avancés et la gestion des données deviendront plus forts. OK.
Il y a quelques fois, il y a des occasions où les systèmes nationaux ne fonctionnent pas bien pour une chercheur ou chercheuse. Il y a quelques raisons pour ça. Peut-être la besoin de puissance est trop grand pour cet individuel. Ou peut-être c'est à cause des données qui est peut-être à des caractéristiques de sensibilité. Donc, il y a de temps en temps, on veut acheter les systèmes pour eux-mêmes. Si on pense de ça, c'est une bonne idée de parler avec nous avant de prendre cette route. Nous pouvons vous aider en déterminer les besoins. Nous pouvons vous aider en faire la partie de votre demande de subvention avec les choses techniques, les sections techniques. Nous avons beaucoup de relations avec les vendeurs et vendeuses, donc nous pouvons vous aider pendant le processus d'achat. Et nous avons près de 20 ans d'expérience dans la gestion des systèmes. Donc, il y a beaucoup d'avantages, s'il est possible, d'intégrer ces systèmes individuels avec notre système. Je pense que c'est une gagner-gagner, un scénario gagner-gagner pour tout le monde. Juste une petite référence, il y a quelques formations à venir. Nous faisons de formations tout le temps, il y a presque toutes les semaines, il y a une formation. Nous avons, comme j'ai dit, un calendrier sur notre site web et ainsi qu'un catalogue. Les cours indiquent le public approprié aussi, mais en janvier, il y aura quelques sessions qui commencent encore. Donc, si vous avez, comme j'ai dit, si vous avez besoin de soutien dans la gestion des données de recherche et si vous n'avez pas un contact à votre institution, parlez à nous. Si vous avez un nouveau projet, si vous êtes en train de faire une demande de subvention pour un projet qui a une partie de utile numérique avancé, si vous êtes en train de penser d'un service commercial, c'est vraiment une bonne idée de parler avec nous. C'est possible que nous pouvons vous aider. Et maintenant, il y a quelques façons pour contacter nous. Aussi, sur notre site web, nous avons l'espace en particulier pour les sciences physiques et appliquées, ainsi qu'un espace juste pour les sciences humaines et sociales. Donc, il y a beaucoup de renseignements là. Aussi que notre page de formation. Et je pense que c'est tout pour la présentation formelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un là? Oui, merci beaucoup, Michel. Je ne suis jamais sûre. J'étais pas assez rapide. J'étais rapide dans le chat, mais pas sur le micro. Merci beaucoup, Michel. Donc, si vous avez des questions,
Soit vous pouvez lever la main, on va ouvrir le micro, la poser de vive voix. Vous pouvez la mettre dans le chat et je peux la lire pour vous. Et puis Michel ou Lydia pourra y répondre. On peut laisser quelques temps. Il n'y a pas eu de questions pendant la présentation. Je vais peut-être arriver avec une question le temps que les gens animent le chat. Ah, sinon, il y a une main levée. Je vais aller voir qui. Catherine Leduc, vous pouvez ouvrir votre micro et poser la question. Bonjour. Alors, je me demandais, je ne suis pas certaine d'avoir bien compris, est-ce que vos services s'adressent à tous les chercheurs à travers le Canada ou juste dans les provinces de l'Atlantique? Pour ESNET, c'est juste les provinces atlantiques, mais Calcul Canada, et nous sommes une partie de Calcul Canada, c'est pour tous les chercheurs et chercheuses nationaux. OK. Mais ESNET, c'est une organisation régionale, mais nous avons des partenaires au Québec, à l'Ontario, en Ontario et dans l'Ouest. OK. Parce que c'est ça, je me demandais, parce que moi, je suis au Québec et oui. J'ai déjà vu que Calcul Québec offrait un peu les mêmes services. Donc, je me disais, est-ce que je devrais envoyer mes chercheurs plutôt à Calcul Québec? Vous pouvez les envoyer au Calcul Québec ou aussi, ça dépend des circonstances, mais nous avons c'est quoi en français, un help desk national, HSS à Compute Canada, mais aussi support à Calcul Canada. Mon Dieu. Je ne peux pas écrire et parler. C'est bon. Toutes les équipes spécifiques à la discipline sont nationales aussi. OK. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Il y a maintenant Daniel Beaulieu qui aimerait poser une question. Un peu dans le même sens que Catherine. Pour l'Ouest canadien, là, je suis au Manitoba. Quel est le nom là, du pendant de ESNET? C'est le WestGrid. Le WestGrid. Oui, WestGrid. Et je pense que c'est Support à WestGrid, Lydia. D'accord. Oui, peut-être. Oups, pas le S. D'accord. OK, merci. Oui, mais si vous voulez écrire à nous, nous pouvons trouver la personne correcte dans la région appropriée. C'est pas de problème. Nous travaillons vraiment ensemble comme une grande équipe. J'ai une autre question. Est-ce que c'est le professeur qui s'inscrit ou qui devient membre ou est-ce que c'est l'institution? C'est les professeurs. Les professeurs peuvent ouvrir un compte avec Calcul Canada, puis après ça, le professeur peut sponsor ses étudiants et les autres membres de l'équipe. Les institutions, il y en a, je pense que 37 peut-être, qui sont les membres propres, les membres de Calcul Canada formellement. Mais les services sont disponibles à toutes les institutions nationales. OK, merci. OK, je vais poser une question le temps qu'il y en ait d'autres qui se manifestent dans le chat ou avec la main levée. Peut-être, est-ce qu'on peut clarifier c'est quoi le lien entre ESNET puis les services informatiques qu'il y a dans chaque institution? T'sais, chaque institution va avoir son portefeuille de logiciels spécialisés qu'ils vont gérer, puis parfois, les chercheurs vont se tourner vers leurs services informatiques, mais c'est quand qu'ils devraient se tourner vers ESNET? Si j'ai compris bien votre question, les services informatiques aux institutions sont pour
La plupart des cas, ils sont pour les services entreprises, les courriels, les comptes de l'institution, toutes choses comme ça. ACENET et les partenaires régionaux et Calcul Canada, nous sommes pour les besoins de recherche. Nous sommes seulement pour la recherche. Et d'habitude, les bureaux d'informatique aux institutions ne font pas des choses avec la recherche. Daniel Beaulieu aimerait prendre la parole. Merci. Donc, je ne sais pas si je comprends bien, là, mais un professeur qui a besoin d'utiliser Strata ou SAS, les logiciels là, de traitement informatique, statistique, j'aurais dire, est-ce qu'il peut cogner à la porte de Calcul Canada et avoir accès à ces logiciels? Ou est-ce oui. que c'est l'institution qui doit le fournir? Non, Calcul Canada a beaucoup de logiciels sur nos systèmes. D'habitude, les logiciels sont, sont tweaked pour les systèmes de haute calcul, pas pour les systèmes de desktop. Donc, si vos besoins sont plus grands que les capacités d'un desktop, ça, c'est la raison d'utiliser le Calcul Canada et les systèmes, les grands systèmes nationaux. Donc, nous avons beaucoup de logiciels et il y a un lien, peut-être Lydia, vous pouvez le donner dans le chat, le lien pour les logiciels qui sont disponibles à Calcul Canada. Calcul Canada a un wiki public. Et une liste de logiciels. Si on a besoin d'un logiciel qui n'est pas sur la liste, écrivez à support à Calcul Canada et c'est possible, nous pouvons l'obtenir. OK, merci. OK. J'aimerais quand même clarifier, est-ce qu'il y a vraiment les ressources humaines pour assurer, parce que j'ai quand même déjà vécu une situation là, d'un chercheur en sociologie qui avait besoin d'une application, je pense que c'était Social Feed Manager, si je me souviens bien. Puis ce logiciel-là ne fait pas partie du portfolio offert dans mon institution, dans l'institution d'attache du chercheur. On a vérifié s'il y avait un soutien possible du côté. Bien, au départ, j'avais communiqué avec Calcul Canada, puis effectivement, on a tout de suite collaboré avec Calcul Québec. Je voyais qu'il y a quand même une zone grise parce que le logiciel, tu sais, la machine virtuelle n'existe pas non plus dans Calcul Québec ou Calcul Canada. Puis on voyait qu'il y avait quand même un enjeu de ressources humaines. Donc, est-ce que c'est. J'ai l'impression que ce n'est pas nécessairement tous les logiciels qui vont être installés pour un besoin du chercheur s'il n'y a pas un financement qui vient avec ça. Là, pour moi, il y a comme une zone grise qui mérite peut-être d'être clarifiée. C'est vrai, il n'y a pas tous les logiciels qui sont disponibles à ce moment, mais quel est le nom encore? Est-ce que vous pouvez écrire dans le chat le nom de logiciel? Social Field Manager, avec pas de F. Oui. C'est un exemple d'application que nos services informatiques institutionnels ne pouvaient pas ajouter ce logiciel-là dans leur portefeuille parce que s'ils l'installent, ils doivent le maintenir, faire les mises à jour, etc. Puis ça a donc été un choix en termes de gestion de nos ressources. Qu'on pouvait aider le chercheur à créer sa propre machine virtuelle, mais à part ça, on n'est peut-être pas en mesure d'offrir un soutien technique. Même l'installation demande des compétences techniques que le chercheur n'avait pas. Puis, on avait le gap qui ne pouvait pas non plus être comblé parfaitement du côté de Calcul Québec, Calcul Canada. Donc, je me demandais si avec ACENET, il y a le même genre d'enjeu
Oui, ça, probablement la meilleure approche est de pouvez-vous partager le nom ou faire une introduction entre le chercheur et peut-être Lydia, et elle peut explorer la situation un peu plus profondément, parce que je n'ai pas la réponse à ce moment. Ce que je comprends, c'est qu'en principe, il y a vraiment l'intention, c'est vraiment donc d'offrir un soutien pour tout chercheur qui a besoin d'une infrastructure numérique. Là. Okay. Oui, c'est ça. C'est ça. Il y a toujours les changements qui sont faits dans nos systèmes et le niveau de soutien pour les chercheurs, chercheuses. Des sciences humaines et sociales, il grandit tout le temps avec des personnes de Lydia. C'est un peu comme nous, c'est quoi le mot? We're chasing the train, un peu, pour faire catch-up avec ces domaines-là. Mais il y avait beaucoup, beaucoup de travail depuis les derniers 18 mois, 2 années. Et je pense que nous arriverons là. Mais à ce moment, il y a encore des gaps, des trous. Je ne vois pas d'autres questions ou mains levées. Je vais quand même continuer de commenter, laisser les gens encore réagir. Mais c'est une très bonne nouvelle d'apprendre comment c'est vraiment dans la vision stratégique d'ASNET et bon, Calcul Canada de vraiment développer ces services-là. Puis, dans le fond, c'est de s'assurer qu'on parle à la bonne personne. Hein. C'est ça qui peut être compliqué. On commence les démarches, puis il faut... C'est ça. Oui. Oui. Non, c'est sûr. Okay. Ce que je comprends quand même, la logique, ce serait de voir pour le chercheur, c'est d'aller voir auprès de son soutien informatique local. On a des logiciels de recherche dans nos institutions. Ce serait de voir localement qu'est-ce qui est possible. Puis si ça ne l'est pas, bien là, on se tournerait vers des organisations comme ASNET. Oui. Est-ce que les professionnels qui travaillent avec les chercheurs, eux, peuvent se créer un compte de façon autonome? Pour créer un compte, il y a la façon, c'est très facile. C'est juste si on est un chercheur ou une chercheuse, visite notre page, je pense que peut-être il y a un compte, justement. Je vais donner le lien ici, mais c'est juste pour remplir un petit formulaire et indiquer l'accord avec quelques politiques du Calcul Canada, toutes choses comme ça. Les comptes sont approuvés très vite, dans une journée ou 2 journées d'habitude. Et après ça, nous parlons avec le chercheur-chercheuse pour nous assurer les besoins spécifiques pour comprendre le projet et les besoins. Et après ça, nous les montrons comment utiliser les systèmes. Donc, il y a une expérience de onboarding et de la formation pour l'utiliser. Et toujours, toujours, il y en a beaucoup de aide. Nous avons les help desks nationaux et régionaux. Donc, vraiment, nous voulons vraiment
assurer le succès des chercheurs et chercheuses. Ça, c'est la raison d'être pour nous. Merci. Donc, je continue. Dès qu'il y a une main qui se lève ou un chat, je cède la place, mais j'aurais une autre question. Des chercheurs qui ont des données sensibles, mettons, ils ont une méthodologie avec des vidéos, donc ils ont besoin d'un gros espace de stockage, disons, mais c'est des données sensibles. Est-ce que vous êtes en mesure d'accueillir ce type de données? OK, ça c'est une question plus pour Lydia que moi, parce que je ne suis pas très familière avec les façons de traitement, les données de sensibilité, ou les données sensibles. Lydia, peux-tu s'adresser en anglais? Je peux le traduire, ou Cynthia peut traduire, mais... Je suis désolée. Je n'ai pas écouté la question. J'ai écrit dans le chat. Un moment. How do you deal with sensitive data for a researcher that has sent lots and lots of data? So it's very like large database, but it's also sensitive data in there. How do we deal with it? House. like medical or cultural, or what type of sensitivity is the data? My question is general, just to know if a researcher has some sensitive data, does your platform allow the deposit of such kind of data? It depends. Sometimes depends on the requirements of the data. So we always do a individual consultation for sensitive data, because some of the requirements might be more than what we can do, but sometimes we can fulfill them. This is something that will get better over time. We keep working to improve that. We figure out, you know, what their needs are and whether we can meet those needs. Yeah. En cours, ça dépend de la situation. If I could ask, do you have application for encryption of the data? I think so. It depends on the type of encryption. Okay. there is lots of flexibility for the l'inconnu agique. There are limits. I have helped with projects before they needed encryption, and that was fine. But if it needed, something like vault, like zero knowledge encryption at rest, something really fancy that you would use for like medical data, that costs down to $1,000 a year for the license, we can't do that. Okay. But thanks. Yeah. Mais je pense que le HPC for Health, il y a des provisions peut-être pour l'utiliser pour les chercheurs-chercheuses partout au Canada, mais ça dépend de règlements provinciaux, si les données peuvent partir le province. Un partenaire de calcul Ontario, c'est HPC for Health. Et ça, c'est une chose pour eux. Pour le traitement des données médicales. Je vais peut-être juste résumer, vu qu'il y a une partie de l'échange s'est fait en anglais.
Donc, comme tel, pour le dépôt de données sensibles, il y a quand même des cas où ça pourrait être possible. Les intervenants ont dit que l'environnement technologique accepte, dans le fond, certaines données sensibles, puis qu'il y aurait une certaine forme d'encryption qui est possible, là, mais là encore, c'est du cas par cas, mais donc ça pourrait... Le chercheur peut quand même aller vers ESNet pour discuter du besoin si jamais il y a des données sensibles. Maintenant, je vais donner la parole à Daniel Beaulieu. Oui, peut-être un besoin de clarification. Ce que je comprends, c'est que bon, Calcul Canada est là pour le traitement des données là, quand c'est très massif. Et puis, est-ce que vous acceptez le dépôt des données à long terme ou est-ce qu'une fois que le traitement est fait, bon, on ferme le dossier puis le chercheur va déposer ses données dans un autre endroit? Oui, c'est ça. Nous pouvons, notre système sont pour les données pendant le partie active du projet. Mais à la fin du projet, ce n'est pas nous non plus. Mais il y a un service qui s'appelle, je m'excuse, Further en français. FRDR. Oui, le mandat de Further, la fonction de Further, c'est pour avoir une plateforme pour les données plus permanentes. OK. Donc, mais quand même, l'idée, c'est que vous assurez le traitement sécuritaire quand le chercheur a des données sensibles. C'est ça le point. Okay. Mais une fois que le traitement est fait, le chercheur va déposer ça à un autre endroit où, encore là, les données vont être sécuritaires pour les... Oui, et ça, c'est un des éléments avec le changement à la nouvelle organisation, l'Alliance de la recherche numérique du Canada, c'est que la responsabilité pour les données va augmenter. Donc, je pense à moi, les systèmes pour les données plus long terme vont améliorer au futur. À ce moment, les bibliothèques travaillent avec les personnes au réseau portage pour trouver les solutions pour les données long terme. La plateforme Further, c'est une de ces solutions, mais je pense que ce n'est pas la seule solution. Merci. Il y a eu une question dans le chat. Sur le chat. Excusez-moi? Lynn, for the Further DFDR, sur le chat. Dans le chat, on a mis le lien vers le dépôt fédéré des données de recherche. Oui, c'est ça. Il y a eu une question dans le chat là, que Lydia a répondu, mais je vais quand même la dire à voix haute pour ceux qui ne l'auraient pas vue. La question, c'était s'il était possible d'utiliser les plateformes d'ASNET pour des petits ensembles de données ou c'était vraiment pour des grands ensembles? Il y avait une deuxième question qui était, dans le fond, ben, à partir de quand on va considérer que c'est un grand ensemble de données et qu'on devrait vraiment penser à aller vers ESNet? D'habitude, les grandes données, on parle des teraoctets. Ça, c'est un, deux, trois teraoctets et plus. Sont des bases de données très volumineuses. Donc, si votre ordinateur de desktop peut faire des analyses, peut faire du stockage, c'est parfait ça. Mais s'il est moins capable, si les processeurs ont des problèmes pour faire des analyses,
ça, c'est le temps pour ESNET et les autres régions, les grands systèmes. Mais si les ensembles de données sont de volume normal, un chercheur peut quand même les mettre dans l'environnement de ESNET? Ça dépend de cas. Je pense qu'une des façons, c'est... La réponse courte, c'est oui, mais... il y a quelques chercheurs et chercheuses qui utilisent l'infinilogique pour ça dans Calcul Canada. Et particulièrement quand il y a des données qu'ils veulent partager avec une communauté. Donc, on peut avoir un hébergement d'un portail pour un web portail pour ça. Mais juste pour avoir un plus petit ensemble de données dans un système de backup, c'est pas vraiment nous. Yeah, pas de problème pour les petits. Ensemble. Pourquoi des petits ensembles de données ont besoin de sécurité ou d'un accès virtuel pour la collaboration? C'est bon. Pas de problème pour petits ensembles. Donc, pas de problème pour accueillir des petits ensembles de données, mais si c'est dans une stratégie de sauvegarde? Le chercheur, mettons, utilise l'environnement institutionnel pour la gestion active de ses données, mais souhaiterait avoir un backup dans ESNET. Est-ce que c'est acceptable ou pas? Lydia, just using us as a backup system for small data sets, not usually. Pourquoi? it depends on the type of stockage that we can offer. So if as for backup, it's not active. So that we can do on like tape storage, and there's lots of that. It just depends. Au passé, nous avions une plateforme, j'oublie l'appel maintenant, c'est comme un Dropbox, mais c'est plus grand que ça. Mais je pense que cette plateforme, nous ne soutenons non plus. I can't remember. Mais je pense que ce n'est plus disponible, je pense. Mais c'était pour les plus petites bases de données, les plus petits... Nextcloud? Sorry, the what? Nextcloud? Yes, Nextcloud. Nextcloud. C'est ça. Mais je pense que... Oui, très petit ensemble. Très petit ensemble. Je ne sais pas la limite. Oui, je pense que c'était 10 fois la grandeur de Dropbox. Je pense que c'était 50 et Dropbox c'est 5, je pense, mégabytes. Sounds right. I think, je pense, mais je ne suis pas sûre maintenant. J'ai une ligne, un moment. je pense que ça serait bien d'avoir... Oh, excuse, Cynthia. Non, c'est bon, vas-y, Daniel. Simplement savoir un tableau avec les limites de taille, comme ça, si on a des questions par rapport au professeur, au chercheur, on pourrait dire, bien, si ton ensemble a telle taille, oui, tu peux cogner à la porte, ou tu peux t'attendre peut-être de te faire dire non parce que c'est pas l'endroit...
S'il y avait ce genre de tableau-là, ça serait, je pense que ça répondrait à la question. Parce que là, pour moi, c'est pas clair qu'est-ce qui est petit ensemble et je veux dire, c'est très, très relatif, là, à mon avis. Oui, il n'y a pas un tableau comme ça. C'est vraiment, à ce moment, c'est vraiment sur un cas par cas. On a les conversations, les discussions, mais il n'y a pas une réponse très blanc et noir. Il y aurait Catherine Leduc qui aurait une question. En fait, c'est pour un peu continuer dans la même veine. Parce que tantôt, vous avez parlé d'infos nuagiques. Est-ce que dans ASP.NET, il y a une portion qui est serveur web, si j'ai bien compris, ou quand vous parliez d'infos nuagiques et de serveur web, vous parliez de plateformes comme Dropbox? Enfin, j'avais compris que un chercheur qui avait des petites données actives sur lesquelles il doit collaborer avec des partenaires, peut les mettre sur une portion chez vous qui n'est pas nécessairement une portion pour utiliser les logiciels, mais pour collaborer. Okay? Donc, j'avais bien compris. OK. Oui, c'est exactement le cas. Parce que plutôt que d'utiliser des plateformes ou des serveurs américains ou des trucs comme ça, c'est plus sécuritaire d'aller sur votre portail web de dépôt actif pour utiliser. OK, merci. Oui. Il reste 3 minutes. Je vais poser une question si je ne vois pas que quelqu'un se manifeste. Donc, mettons que le chercheur a terminé son projet, il a combien de temps pour mettre ses données sur un dépôt qui est pour une conservation à plus long terme? C'est quand vous allez fermer, il faut faire le ménage, là, les données ne sont plus actives, il faut faire de la place. Oui, ça c'est une question, je pense, plus pour un expert de l'ancien réseau portage que nous. Peut-être Lydia connaît la réponse, mais je ne suis pas sûre moi-même. Is there a cutoff date, Lydia, for when you would take your data from your active project and then put it in something like Furter? Like, is there a... OK, le micro est fermé, Lydia. Si vous avez un compte, c'est bon. Peut-être, maybe we would recommend further à l'infini de votre projet. Vous pouvez utiliser l'info nuagique ou le stockage as long as you want and as long as you have an account. Dans le fond, tant que le compte du chercheur est actif, vous n'allez pas presser le chercheur de faire un ménage, on va dire. OK. Bon, moi, j'ai mis 5. Je n'ai pas la même heure que vous, donc on arrive presque à la fin de l'heure. S'il n'y a pas d'autres questions dans le chat et pas de main qui se lève, je crois qu'on va conclure sur cette dernière remarque. Merci beaucoup à Michel et à Lydia qui a pris part. Un grand merci. Et puis, on vous écrit si on a des questions, c'est certain. Et puis, merci à tout le monde. Merci pour l'occasion. Et aussi, nous fournissons le nom, un contact à l'alliance avec l'ancien réseau de portage pour d'autres questions s'il y a parce que les personnes là ont plus de détails que Lydia et moi, malheureusement, à ce moment. Dans une année, l'année prochaine, peut-être nous aurons
toutes les réponses nécessaires, mm-hmm. mais à ce moment, ce n'est pas vraiment notre domaine. Donc, vous donnez... on vous donne un contact qui aura toutes les réponses. Oui, tout est en développement, donc on vous écrit puis on est réorienté s'il le faut. Là. Très bien, merci beaucoup. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir.